J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 9 décembre. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais sortir un petit peu parce que j'ai quelques courses à faire. J'ai quelques courses à faire, donc il va falloir que je sorte. Problème, c'est que la voiture ne démarre pas. La voiture, elle démarre pas. Du coup, il faut qu'on la charge. Donc je sais pas du tout si ça va démarrer une fois qu'elle va être chargée. Parce que cette nuit, il a fait très très froid, mais on l'a... Je l'ai prise, c'était quand que je suis allée à Nose. C'était mercredi et aujourd'hui on est vendredi et je ne l'ai pas démarré hier et aujourd'hui elle ne démarre pas. Voilà. Donc heureusement que j'ai un chargeur de batterie parce que sinon je serais vraiment dans le caca. C'est fatigant ces histoires, mais là on est en train de regarder pour en prendre une, mais il faut qu'on trouve le paiement en 4 fois sans frais. Donc je sais pas, Leclerc apparemment il le fait pas, Cora il le fait pas, Auchan il le fait pas, donc peut-être c'est discount, je sais pas du tout. Peut-être c'est discount, je sais pas du tout. Donc voilà, donc si jamais ça démarre, je vais faire des courses au Lidl. Je passe à l'Intermarché aussi, qui est pas loin, il est pas trop loin de Lidl. Et si jamais je peux, je vais faire un tour à... J'ai un truc dans l'œil qui m'énerve. À chaque fois, j'ai un truc dans l'œil, je comprends pas. Si jamais, quand j'ai fini, je vais faire un tour à Action. Je vais refaire un tour à Action et à Stokomani. J'aimerais bien faire un tour à Stoko parce que ça fait un petit moment que je suis pas allée. Et puis, il faut que je dépose des papiers. Voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Je suis tranquille. Il faut que je récupère du dentifrice, des choses comme ça, mais j'aime bien le prendre au Action parce que le Listerine il est pas cher là-bas non plus. Donc voilà, alors aujourd'hui ça va être ça, donc je vous reprendrai plus tard, hein. Là je fais mes petits soins, je mets ma crème et tout ça pour essayer de ressembler un petit peu à quelque chose. Donc voilà, après des fois je sors aussi sans maquillage, hein, mais c'est vrai que là j'ai vraiment une tête laisse tomber quoi. Donc voilà, aujourd'hui ça va être ça. En plus, j'ai mal à la tête depuis hier. J'ai un mal de crâne. Oh là là là. Un mal de tête pas possible. Je sais pas pourquoi. Alors, je voulais vous mettre les photos de Nose à la suite, hein, comme d'habitude je fais sur la vidéo là que j'ai sortie Arrivage Nose. Le problème qu'il y a, c'est que en fait, moi je filme avec mon téléphone, avec le téléphone de mon conjoint quand je suis au Nose. Donc je filme pas avec celui-là qu'on m'a prêté. Parce que celui-là qu'on m'a prêté, là, celui-là, le son, il est trop bas. Donc là, je filme avec celui-là qu'on m'a prêté. Mais le son, il est trop, trop bas. Donc voilà, chaque fois, je suis obligée de remonter plein de fois le son. Et ça me prend beaucoup de temps. Donc, j'ai toujours pas trouvé comment monter le son avec ce téléphone-là. Et en fait, j'ai eu un souci, c'est que... donc, je vous avais donc dit que mon téléphone... Enfin, le téléphone qu'on m'a prêté, il est... Il y a quelqu'un qui rentre dedans et qui ouvre toutes mes applications. Bon. On m'a contacté, on m'a dit, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc, c'est la chose que j'ai faite. Donc, je l'ai remis en paramètres d'usine. Je l'ai remis tout comme il était au tout début. Le problème qu'il y a, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, hier, il m'a effacé toutes les photos que j'avais dedans. Donc, toutes les photos que j'avais de Nose et tout pour vous les mettre à la suite, eh ben, j'ai pas pu parce que tout d'un coup, le téléphone, il s'est mis à se mettre en noir complètement et les applications bougeaient toutes seules. Donc j'arrivais pas à l'éteindre, j'arrivais à rien faire du tout et il m'a tout supprimé. La personne m'a tout supprimé ou je sais pas ce que c'est, si c'est une personne, si c'est quoi, j'en sais rien. Donc voilà, il m'a tout supprimé et du coup j'avais plus de photos, j'avais plus rien pour vous mettre à la suite. Donc ce que je fais, c'est qu'avec ce téléphone là, je ne vais plus sur internet, je ne fais plus rien à part là je vais essayer de tenter de laisser cette vidéo, voir si il va me l'effacer ou pas. Mais en tout cas, chose qui est sûre, c'est que je n'irai plus du tout sur internet. Voilà, avec ce téléphone là c'est fini, je vais plus sur internet. Donc je vais regarder pour prendre un autre téléphone pour essayer de trouver. Ce qu'il y a, c'est que j'essaie de trouver l'étalement l'étalement du mobile et sur Orange ils le font pas, donc faut que j'essaie de regarder avec des autres avec Bouygues ou avec autre chose comme ça pour faire un étalement du paiement pour le téléphone. Parce que bon, les téléphones ne sont pas donnés. Hein. Puis moi, je peux pas sortir du fric comme ça. Quoi. Je peux pas sortir 200, 300 balles en une seule fois. C'est impossible. Donc voilà, c'est compliqué, hein, franchement.
Surtout que j'ai la batterie de la voiture absolument à changer. Il faut que j'achète la bouteille de gaz. Voilà, puis j'ai toutes mes factures qui sont payées. Il faut juste encore que je paye l'ES, qui est de 122 euros par mois. Donc voilà, hein, passe le 15. Voilà. Donc une fois que tout ça se sera fait, ben voilà, il restera plus grand-chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire doucement. C'est compliqué, hein. J'espère que je vais pouvoir retrouver un travail. Que au niveau du dos, tout ça va aller mieux. Parce que franchement, j'en ai un petit peu marre. Hein. Faut quand même que j'arrive à m'en sortir. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Hein, quand on travaille pas, qu'on a des soucis de santé et tout ça. Donc voilà. Donc là après je vais aller au Lidl. En même temps, je vais chercher aussi. Je vais voir aussi pour le repas de Noël. Parce que moi, de toute façon, je serai toute seule. Donc à Noël, je suis à la maison. J'ai ma mère. J'ai envoyé un message à ma mère. Je lui ai dit qu'est-ce que vous faites pour Noël? Elle m'a pas répondu. Et donc elle m'a sur Facebook, je l'ai sur Facebook et souvent sur mes publications, quand je mets des trucs rigolos, des chats ou quoi, elle me met un petit bonhomme qui rigole. Donc voilà. Et elle me demande jamais si ça va ou quoi que ce soit. Hein. C'est toujours des petits bonhommes à la con. Et là, je lui ai renvoyé un message sur Facebook. Sous la publication que j'avais faite, et je lui ai dit ce que vous faites à Noël. Elle m'a dit bah normalement elle va chez ma soeur A ou chez ma soeur F. Donc voilà. Donc elle va chez une des deux. Alors j'ai dit ok. Mais même pas, elle m'aurait dit bah, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec? Non, ils s'en bat des steaks. Donc bah écoutez, moi je reste à la maison, hein, comme d'habitude. Donc je vais préparer. Eux ils vont être ensemble, hein. Ils vont être en famille. Voilà. Hein. Moi je vais rester à la maison, c'est pas grave. Des fois il vaut mieux être à la maison qu'avec des faux culs. Parce que moi les faux culs, j'ai eu ma dose. Hein. Moi les faux culs, je peux plus me les blairer. Hein. Donc je sais pas si vous aimez les faux culs, mais moi être faux cul, je peux plus. Je déteste ça. Je préfère qu'on vienne me le dire en face, que je la prends par derrière. Et après, le pire, c'est quand on dit, ah, mais si t'as dit ça et tout. Oh non, j'ai jamais dit. Ah si, mais moi j'ai des choses qui le prouvent que tu l'as dit par contre. Enfin bref, moi les faux culs, je peux plus me les blairer. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Je reste à la maison. Voilà, je vais m'occuper. Hein. J'ai de quoi m'occuper. Hein. J'ai des diamond painting à faire. J'ai des pulls, j'ai des choses comme ça. Hein. Donc. C'est pas très grave hein, en soi. Ce qui fait chier, c'est que vous savez que votre famille elle est ensemble et que vous pouvez pas y aller, quoi. C'est surtout ça qui fait chier, quoi. Vous savez qu'elle est ensemble, qu'on pense pas à vous, que vous avez une famille mais qui s'en fiche complètement de vous. C'est plus ça, quoi, qui rend un peu malade. C'est pas. Après, voilà, c'est pour y aller et que personne vous parle et que vous êtes là comme un con aussi. Ça, c'est pas non plus l'idéal, hein. Je vais aller chercher une lingette parce que j'en ai plein dans la tronche, à moins que j'en ai ici, je sais pas. Voilà. Comme je dis, c'est pour faire le faux cul et que personne ne vous parle quand vous y allez. Ça ne sert strictement à rien. Je sais pas si vous aussi vous avez des familles comme ça ou si chez vous ça se passe un petit peu mieux. Mais voilà, c'est dommage. Parce que je suis sûre que ça va dire oh mais si celle-là elle vient, moi je viens pas. J'entends déjà ma soeur que j'aime pas dire ça. Ah oh, mais si elle vient, moi je viens pas. Ou même mon père dire ça. Donc. Je les connais maintenant à force, hein. C'est des saloperies. Hein. Là, je prends une palette de chez Action, je prends la palette Soir. Mon téléphone qui s'est cassé la tronche, du coup, j'ai tout qui est tombé et tout. Parce qu'il faut vraiment que je range mon bureau. Faut vraiment que je range le bureau, hein, cette bordel. Enfin bref, voilà, je vous disais, hein, pour être avec des gens comme ça sert à rien. Mais bon, je fais n'importe quoi avec mon pinceau. Hein. Donc voilà, là, je fais un petit make-up vite fait. Hein. Je fais pas grand-chose. Hein. Juste un tout petit make-up histoire juste d'être un petit peu maquillée quoi. J'aime bien prendre les palettes de chez Action, les Max & More. Faire des petits make-up comme ça vite fait, c'est bien quoi. Vous n'avez pas besoin de mettre 50 000 trucs dessus, c'est. Voilà, vous avez un petit shimmer, un petit irisé, vous avez un mat. Vous avez un petit peu tout dans ces palettes-là. Vous avez un petit peu toutes les couleurs aussi. Donc voilà, moi je vais finir de me maquiller et puis je vous reprendrai bah, quand je sors hein, tout à l'heure. Donc voilà, je vous prendrai tout à l'heure. Donc je vous dis à toutes.
J'étais au Lidl, donc j'ai fait quelques courses au Lidl. Je vous ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Là, je viens de ressortir, j'en ai eu à peu près pour 70 euros. Voilà, j'ai un petit peu de viande, un petit peu de pâtes, mais il y a des trucs purés, je voulais prendre, mais c'est trop cher. Ça a beaucoup augmenté. Donc voilà. Donc là, je vais rentrer, je vais aller ranger les courses, et puis je vais repartir pour déposer mes papiers, faire mon rendez-vous, et ensuite j'irai faire un petit tour. Je vous montrerai si je vais dans un magasin ou pas. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. En tout cas, ça caille, hein. Il fait très très froid, il y a 2 degrés. À tout à l'heure, bisous bisous. Je suis rentrée, donc je vous montre vite fait. J'ai pris quelques courses au Lidl. Alors j'ai pris des pâtes, comme ça. Donc là j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris ça. Encore des pâtes comme ça. J'espère que vous voyez bien. Encore des pâtes comme ça. Ensuite, ah, encore des pâtes comme ça. Mon conjoint, il a pris 4 paquets comme ça. Ensuite, ça on a pris pour Noël parce que je vais faire des petites pommes de terre comme ça que je vous avais dit avec de la sauce, des petits légumes et tout ça. Donc j'ai pris ça. Et on a pris 2 paquets de frites comme ça au four. Et mon conjoint, il a pris du poisson comme ça. Ensuite, on a pris du pain comme ça. Donc on en a pris 4. On a pris de la farine. Ici, j'ai acheté un produit pour le parterre, comme ça. Une soupline, parce que j'en avais plus du tout. Du vinaigre. Mon conjoint, il a pris de la sauce tomate, comme ça, cuisinée. On en a pris 2. On a pris des endives, un paquet d'endives, comme ça, pour faire des endives avec la crème. Ensuite, j'ai pris un paquet de pâtes comme ça, 3 minutes à cuire. On a pris des avocats. J'ai racheté du poivre parce que j'en avais plus. J'ai acheté une petite crème comme ça parce que pareil, j'en ai marre d'avoir des crèmes qui puent et qui ne sont pas adaptées à ma peau. Donc j'ai pris une crème de chez Lidl. Je l'ai payée 2,99 donc ça va. Ensuite, mon conjoint il a pris du citron comme ça. On a pris un mélange de salade, parce que j'aime bien. Ensuite, j'ai pris du poisson cabillaud comme ça. Mon conjoint, il s'est pris du poulet en aiguillette. J'ai acheté une petite sauce tomate comme ça. J'ai pris un camembert et j'ai pris le chêne d'argent ici. Et elles étaient à 3,70 €, donc elles étaient vraiment pas chères du tout par rapport à d'autres qui sont presque à 5 balles. Des Tassimo Milka, ça faisait longtemps que j'en avais plus pris. J'ai pris des bananes. J'ai pris des bananes comme ça, c'était 99 centimes, c'est pas cher. J'aime bien avoir un petit peu de fruits. Ensuite, j'ai pris de la confiture de fraises comme ça. J'ai repris un paquet de pâtes comme ça de 3 minutes parce que j'ai les pâtes, c'est ce qui coûte le moins cher, hein. Vous mettez des pâtes avec un petit peu de gruyère et c'est bon. On a pris 3 paquets de gruyère comme ça. Allez, mental râpé. J'ai acheté une choucroute parce que j'avais pas envie de la faire moi-même. C'est beaucoup trop long et ça me prend trop de gaz. Donc j'ai pris une choucroute déjà qui est faite comme ça au Riesling. Je prends toujours au Riesling. Là, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. J'ai pris des knacks pour aller avec. Et on a acheté une lasagne. J'ai aussi acheté du papier toilette. Papier toilette ici. On a pris de la javel comme ça pour que je puisse recharger dans mon truc, dans mon petit spray. Et j'ai pris des pommes. Un grand paquet de pommes comme ça de 3 kilos. Voilà, c'est tout. Et là, on en a eu pour 70 euros, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré pour les courses, on en a eu à peu près pour 70 euros. Donc maintenant, je vais tout ranger et je vais repartir. Donc je vous dis à plus tard. Salut! Hello, je suis arrivée au Stokomani, donc je vais voir ce qu'il y a. Et puis si jamais il y a des trucs ou quoi, je vous montrerai. Oh, ça fait longtemps que je suis pas allée, ça fait, je sais pas, ça fait un moment, peut-être plus d'un mois, 2 mois, je sais pas. Je vous dis à tout à l'heure. Alors là, je tombe sur un arrivage de box. Donc on a des box beauté, comme ça. Alors elles sont à 6,99 €.
Donc on a ça, alors dedans vous allez retrouver ça, vous allez retrouver des produits comme ça dedans. Il y en a plein d'autres. Il y a des comme ça. Pardon, désolé. Oh, celle-là, elle a l'air d'être bien remplie. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais elle a l'air d'être bien remplie. Apparemment, vous avez ça, des produits comme ça dedans. Elle est lourde en tout cas. Puis en dessous, vous en avez aussi. Il y en a tout plein en fait. Vous allez en retrouver tout plein. Et on va retrouver des trucs comme ça dedans. On va retrouver ça. En fait, vous avez plein de box à Stokomanie. Tout un arrivage. Tout un arrivage. Voilà. Là, on va avoir des petites tours pour 7 euros. Vous pouvez mettre des pinceaux, du maquillage. Et là, un organisateur cosmétique à 14 euros. 99. Alors ici, on a quelques bombes de bain. Donc les tablettes hein, qu'on peut retrouver aussi à truc, Action de 99. Là, on a des petites bombes comme ça. La fraise à 2,59. Et alors là, on va en avoir des comme ça à 1,99€. Vous allez aussi retrouver celle-ci. Là, on a ça. C'est des petits baumes à lèvres, je pense, à 1,99€. Là, on a des petits coffrets Bambi à 3,99€. Voilà. Là, on a le nettoyeur avec le pinceau et tout ça. À 8,99€, vous avez le nettoyeur avec les pinceaux là. Voilà. Là, vous allez retrouver des petits kits comme ça de chez Miscope. Alors, vous avez des eyeliners dedans au prix de 5,99€. Il y a aussi des petits calendriers là à 5,99€. On a aussi des petites bougies ici. Toutes petites bougies, vous en avez plusieurs dedans. C'est 14,99€. Après ici il y a des calendriers. Alors celui-là je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas ah, c'est des bougies. Il y a des bougies. On a du maquillage ici. Et ça c'est aussi du make-up je pense. Je sais pas exactement. Là on a des eaux de Cologne à 2,99€. Des parfums comme ça. Chantal Thomas. 14,99€. On a les Luc Castagnette à 9,99€. On a ceux-là à 4,99€. Et on a les Agatha à 14,99€. Regardez sur quoi je tombe, c'est trop mignon. C'est un petit pain d'épices comme ça. Enfin, un petit bonhomme. Et il est à... Je sais pas combien il est. Il n'y a pas de prix pour celui-là. Mais en tout cas, il est chouette. Il y a encore quelques petites décorations de Noël qui restent. Il y a des tasses aussi. Vous allez retrouver des tasses. Il y a encore quelques petits trucs de Noël.
Je suis sortie du stocko. Voilà, il n'y avait rien de spécial, franchement. J'ai cherché des pulls de Noël, il n'y en avait pas. Vous savez, j'aime bien les tout épais, là. Donc voilà, là, on va aller aux Action. Et après, peut-être que je fais un tour à Kiabi, je sais pas, je vais voir. Allez, je vous laisse, à plus tard. Christmas, I'm, 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 I
Re. Alors écoutez, donc je suis rentrée à 18h30. Je suis encore passée à Noz vite fait et je me suis acheté un petit calendrier où il y a plusieurs petits. Comment on appelle ça? Vous savez, parce que j'ai plus ma crèche. En fait, je sais pas où est-ce qu'elle est. J'ai plus ma crèche ni les petits bonhommes. Et c'est quand j'ai stocké les affaires, et ben du coup, ben, il y a plein de choses qui ont disparu. Ça a disparu avec. Et du coup, à Noz, quand j'y suis allée, c'était mercredi. J'avais vu qu'ils avaient un petit calendrier avec des. Comment on appelle ça? Avec des petits bonhommes de la crèche. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà, je l'ai cherché. C'est un calendrier de l'Avent comme ça. Et en fait, quand je l'avais vu mercredi, ben, je ne l'ai pas pris. Et après, j'ai regretté un peu parce que ben, je voulais quand même des petits bonhommes de la crèche dedans. Et vous voyez, c'est comme des petites fèves en fait. Et je peux faire un petit truc assez sympa quoi avec ça. Et c'était au prix de 2,99. Donc apparemment, vous avez un DVD avec. Mais bon, le DVD, ça. Voilà. Moi, c'est plus les petits santons que je voulais. Donc voilà, je me suis dit 2,99 pour tous les santons. Ça vous fait comme un calendrier apparemment. 24. Vous en avez 24. 24 santons en porcelaine à collectionner. Bah voilà, c'est comme ça. Donc on va l'ouvrir. Ça fera un truc en plus, mais je sais pas du tout comment ça va se présenter. Il en restait pas beaucoup, donc j'ai déjà mangé. Là, il est 22h et quelques. J'ai commencé à faire le montage pour le vlog. Je commençais le montage et là, ça exporte une première fois. Donc, je le remonte à cause du son. Voilà, on va l'ouvrir. Donc il est comme ça. Alors, à l'intérieur, je ne sais pas du tout comment. J'espère que ça va faire comme un petit calendrier. On a encore une boîte dedans. Ah! Alors on a une boîte, on a le DVD. Ah, oh, super, ils ont mis une petite crèche. Ils ont mis comme une petite crèche. Ils ont mis ça dedans. Ils ont mis ça. Il y a un petit DVD ici. Il y a un DVD comme ça. Et le calendrier, il se présente comment? J'ai regardé. Ah ouais, c'est vraiment un calendrier quoi. Il se présente comme ça. J'espère que j'en ai pas qui sont cassés à l'intérieur. Bah écoutez, c'est quoi ça? Ah, ça doit être une boîte vide, ça. Ils ont mis une boîte vide avec dedans. Je sais pas pourquoi ils ont mis une boîte vide, mais en tout cas, il y a une boîte. Hop, je vais ranger ça. Et alors écoutez, on va ouvrir déjà le calendrier Max and More. On a deux cases à ouvrir et ensuite on va ouvrir celui-là. Donc on va ouvrir jusqu'au numéro 9. Voilà. Alors je dirais bien qu'on ouvre tout hein, quand même pour faire la crèche. Ouais, ben, je pense qu'on va tout ouvrir hein, comme ça, parce que moi il faut que je fasse ma crèche aussi. Hein. Je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. On va déjà ouvrir le calendrier Max and More. Alors, le calendrier Max and More. Donc, on doit ouvrir la case. Alors, la case numéro 8. La case numéro 8, elle est là. J'espère qu'on n'aura pas un truc pourri. La case numéro 8. Sympa, 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 sympa. Ah, ça j'aime bien. C'est une petite ombre pailletée. Ah non, c'est un highlighter, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que ombre paillet... en tant que ombre à paupières. Hein. Il est trop chouette. Ah, elle est trop belle. Ah, là je suis contente. Là je dis oui. Ah, c'est très joli. Ah ouais, c'est sympa. Elle est trop belle. Ah oui, elle est trop belle. Super. Ensuite, le numéro 9, il est là. Alors, le numéro 9, qu'est-ce que ça va être? Alors, le numéro 9. C'est un lip gloss. C'est un lip gloss comme ça, rose, avec plein de petites paillettes comme ça dedans.
avec plein de petites paillettes et on a comme un espèce de petit, oups, vous voyez pas, comme un espèce de petit paillettes, comme des violettes, paillettes violettes dedans. Donc voilà, il est trop joli aussi. Un petit nude comme ça, donc je sais pas si je vais le garder, mais je pense, je sais pas, je vais voir, sinon je vous le mettrai dans le concours. Je vais pas l'ouvrir. Hein. Voilà, on a celui-là. Donc demain, le numéro 10, c'est celui-là. Il sera ici. Donc j'espère qu'on n'aura pas un truc caca. Donc voilà pour le calendrier Max & More. Maintenant, on va passer au calendrier. Hop. Le calendrier de la crèche avec les santons dedans. Trop, trop bien. Donc, celui-ci que j'ai eu à Noz à 2,99€. Alors, on va ouvrir le numéro 1. Oui, c'est comme, oui, c'est comme des petites fèves comme ça. C'est rigolo. Alors là, on a l'ange Gabriel. Ici. Vous voyez bien, j'espère. On a l'ange Gabriel. En plus, c'est bien parce que c'est tout. Vous avez du polystyrène tout autour. Donc ça, c'est bien. Hop là. Alors, en numéro 2, on a la Vierge Marie. Comme ça. C'est vrai, ça fait comme des petits... comme des petites fèves. En numéro 3... Hop, en numéro 3, on a le bœuf. Je pense que je vais toutes les ouvrir, comme ça je pourrais faire ma petite crèche. Donc le numéro 3, on les verra pas bien, ils sont tout petits, hein, parce que c'est comme des fèves. Hein. Voilà, et puis je voulais quand même une petite crèche, mais à Action, ils n'en vendent pas. Donc voilà, et à Auchan, j'ai regardé, mais c'était un petit peu cher. Alors en numéro 4, on a le dormeur. Je ne me souviens pas qu'il y avait un dormeur dans le numéro 4, mais dans le numéro 4, je me souviens pas qu'il y avait un dormeur dans la crèche, mais bon. On a le dormeur comme ça. Ensuite, en numéro 5, on a Balthazar. Ils sont vraiment toutes petites, hein. On a Balthazar. Petite fève. Je garderai le calendrier comme ça. Après, je les rangerai dedans pour ne pas les abîmer. Parce qu'en plus, vous avez plein de polystyrène autour. Donc, ça, c'est bien. En numéro 6, on a le boulanger. En numéro 7, on a le chef des pâtres. Chef des pâtres. C'est tout petit. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein. En numéro 8, on a Gaspard. Ils sont tout minuscules. En numéro 9... On a le mouton. Et je pense que je vais tout ouvrir. Je ne vais pas attendre jusqu'au 24 pour tout mettre. Ou bien on attend. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On va arrêter là. Et demain, on ouvrira le reste. Et à chaque fois, je rajouterai un personnage dans ma crèche. Voilà. Donc le reste demain, comme ça fera un petit peu un calendrier en plus. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais bon. Donc voilà, on a tous ces petits personnages-là, ils sont vraiment tout petits. Hein. Moi, je vous le dis, c'est tout petit, hein, quand même. C'est tout petit, tout petit. On dirait des fèves. C'est trop bizarre. Donc voilà, écoutez, moi, je vais aller... donc, je vais attendre que le montage soit fini. Et écoutez, on va se retrouver demain. Donc, vous aurez cette vidéo le 10 décembre. Donc, on va se retrouver le 11 décembre. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai filmé un petit peu dans les magasins. Attendez, je vous reprends comme ça. Je vous ai filmé un petit peu dans les magasins. J'ai froid, c'est pour ça que j'ai un plaid. Hein. Je ne suis pas trop bien. Donc, je vous ai filmé un petit peu dans les magasins. Donc, je vous ai filmé Stokomani. Je vous ai filmé à Auchan un petit peu.
Voilà, donc à Stokomani, je cherchais les pulls de Noël, vous savez, les pulls un peu épais comme ça, avec des poils, comme ça, comme ils avaient fait l'année dernière. Mais il n'y en avait pas, donc moi j'ai pas trouvé. Je sais pas s'ils ont tout vendu ou s'il n'y en avait pas cette année, je sais pas du tout. Chez les hommes, il y en avait, mais pas épais comme moi je veux. Donc voilà. J'ai tête bizarre. Donc moi je vais aller me laver. Voilà, parce que je suis encore maquillée et tout ça, je vais aller me laver. J'ai tout de suite fait le montage. Dès que j'avais fini de manger, j'ai attaqué le montage. Donc je vais attendre que ça exporte. Il va falloir que je refasse encore une fois, deux, trois fois l'exportation, que je mette tout ensemble, que j'importe et que je vous le mette pour que vous l'ayez pour demain. Pour demain matin. Donc voilà. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Voilà, sinon j'ai mangé de la raclette, les restes de raclette. J'ai encore des restes pour demain. Écoutez, on va se retrouver donc demain. Vous, pour vous, ce sera demain. Vous aurez cette vidéo demain. Et sinon, donc demain, donc nous, on va se retrouver le 11 et vous aurez sûrement le sapin. Voilà. Et pour dimanche, je pense à Nariba, Ajaccio. Je vais voir. Donc voilà, et je vais essayer de mettre une activité pour le 11. Pour le 11, je vais essayer de mettre une activité. Voilà, si ça peut vous intéresser, sinon c'est pas grave, vous passez l'activité, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette journée avec moi. Et nous, on va se retrouver donc demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!